Mesdames et messieurs, restez levés pour l'hymne territorial de Tahiti Nui. Ladies and gentlemen, please stand for the anthem of Tahiti Nui. Yaorana, bienvenue ici à Tahiti Nui. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct sur Tahiti Nui Télévision, sur l'antenne et sur les plateformes digitales pour ce match de préparation. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michael Roche qui va nous accompagner pour ce premier match, Michael, de préparation. On a trois matchs cette semaine face à la Lituanie. Yaorana Olivier, Yaorana tout le monde, bonjour la Polynésie. Oui, effectivement, une super semaine internationale pour nos Tikitois. C'est des moments importants dans une phase de préparation avec, on sait, une grosse échéance au mois de juin qui arrive. Donc c'est vraiment une très très bonne chose d'avoir ces rencontres internationales dans le cadre de la préparation. On rappelle, la préparation va être simple puisque les Tikitois vont jouer normalement, les dates sont prévues pour le mois de juin, elles peuvent peut-être bouger au mois d'août, mais on ne sait pas encore. Mais du 20 au 24 juin, pour l'instant, ça sera ici même à Tahiti Nui, le tournoi océanien qualificatif pour la Coupe du Monde. Et là, ça sera une semaine avec Fidji, Salomon, peut-être la Nouvelle-Calédonie pour essayer d'écrocher la place pour la Coupe du Monde qui se passera à Dubaï au mois de novembre. Exactement, et puis c'est une excellente démarche de la part de la fédération d'organiser ce genre d'événement, parce qu'on sait que la qualif, elle n'est pas assurée. On a les autres nations océaniennes qui se préparent à fond et qui ont bien la ferme intention de détrôner les Tikitois de la première place dans l'Océanie. Procès depuis quelques années déjà. Voilà, on occupe cette première place et donc il faut travailler et se préparer très sérieusement pour continuer à avoir cette hégémonie en Océanie. Allez, on va justement en découvrir les équipes avec les formations. Il y a quelques nouveaux visages. Vous connaissez les joueurs à gauche avec Joe qui sera dans les buts. Tamatoa Tetawira, le numéro 3. Rayman Alifunkui, le capitaine, puisque l'équipe, vous allez voir, est entraînée par Tevas Averoni. Quelques nouveaux noms, notamment avec Aveari Bennett, un jeune joueur. Mais on connaît son illustre papa qui évoluait, bien sûr, et étonnait du côté des Tikitua. C'est bien sûr Nayam. On a également Benoît Maton qui est arrivé. On a Enel Teramoana également. Et puis Bibiche qui est là, Teinui qui a fait son retour, Filou bien sûr qui est présent. Donc ça c'est un groupe un peu restreint parce qu'il y en a encore d'autres. Il y a Jere Shankat qui est blessé, ainsi que Tepa qui est blessé. On a Beo, Franck Revel, Reinui Tseyu, on a Ronui Tinirawari, Théo Tujiton, TAV, le gardien de l'AS Vénus, ou alors encore Matati Apahama qui a fait une super Coupe du Monde. Tout ça c'est les joueurs qui prétendent et qui s'entraîne depuis 3-4 mois. Alors là, Teva, qui est l'entraîneur, a dû faire une sélection, on va dire, pour pouvoir avoir une douzaine de joueurs pour cette préparation. Oui, puis c'est important pour le coach sélection nationale Teva Zaveoni d'avoir un groupe élargi et de mettre un peu tout le monde à l'essai avant les grosses échéances. Donc c'est à ça aussi que servent ces matchs-là, à mettre tout le monde dans le bain, puis un peu à sentir l'état de fraîcheur de chacun, l'intégration dans le collectif et dans les plans de jeu. Allez, on va démarrer, vous rappeler bien sûr les bases du beach soccer. On est parti sur 3 tiers-temps de 12 minutes, hein, Mickaël, avec bien sûr 4 joueurs de champ. Et on va démarrer dans un petit instant pour ce premier match et l'engagement pour les Tikitoa tout de suite avec Raimana Lifunkui, Tamatoa Tetawira qui sont devant le ballon. On attend le coup de sifflet de l'arbitre dans un petit instant.
Et le temps de caler bien sûr les chronos et le timing qui sera super important. Et on voit les derniers spectateurs qui sont en train de se placer ici même en tribune pour assister à ce premier des trois matchs pendant cette semaine face à la Lituanie. La Lituanie, on le rappelle, on en parlera un petit peu tout à l'heure, une équipe d'Europe. On va pouvoir démarrer dans un petit instant. On attend le chrono officiel des juges arbitres là-bas. Ils sont quatre officiers. On a Aurélien Plancher Godefroy. On a Félix Béat. Et attention, c'est parti avec la première frappe qui est un petit peu écrasée de Tamatois. Elle a été déviée, donc ça sera un premier corner pour les Tiquitos. On est parti, les amis, Mickaël. Corner, toujours des belles occasions sur le coup de pied arrêté. On sait que les Tiquitois ont des atouts à revendre et ça bouge. Deuxième poteau avec la tête. Oh, le poteau. La première grosse occasion avec Tamatois. C'est pas terminé. Laissez de passer sur le côté. Ça revient vers le gardien. Je pense que c'est un arrêt du gardien. Ouais, c'est le belle horizontale. Gardien qui a réussi à aller chercher ce ballon. Grosse action. C'était dangereux et c'est Petros Kas dans les buts. Attention avec ce ballon pour le numéro 9 qui frappe largement au-dessus. C'est Mantas Makoutou Novicius, l'avant-centre. Alors dans le premier bloc, Mickaël, on va noter ce premier bloc qui va tourner. Tu nous rappelles ce qui se passe au niveau des blocs. Alors on a quasiment deux équipes parce que l'intensité au niveau de l'effort physique est tellement élevée qu'on ne peut pas tenir plus de 2-3 minutes tout en étant très performant. Donc au bout de 2-3 minutes, le bloc tourne et on change quasiment les quatre joueurs de champ. Donc dans le premier bloc, vous le voyez, on a Labaste, on a Philou, Lifunkui et Tamatois Tetawira qui récupère ce ballon. Attention Philou, il est parti sur le côté droit. Ça va revenir, le ballon est envoyé sur la gauche là-bas avec le numéro 7 en la personne de Guy Draftis, mais c'est récupéré par Joe. Labaste qui a demandé. Alors on joue énormément avec le gardien, toi qui es gardien depuis des années et qui a joué au beach soccer. Hein. Attention, Mana sur son pied gauche, sur le côté au deuxième, au centre, c'est pas terminé. Oh, il n'a pas frappé Mana, il a essayé de se l'emmener. Grosse occasion encore pour les Tiquitois, le ballon n'est pas sorti. Alors pour ceux qui ont eu la chance de suivre la Coupe du Monde en 2013, on a eu des évolutions au niveau du règlement où l'influence du gardien de but a été modifiée pour justement fluidifier le jeu, rendre l'activité encore plus dynamique, c'est-à-dire que le gardien ne peut plus garder le ballon plus de 4 secondes. Donc il doit obligatoirement... En tout cas, dans sa partie de terrain. Dans sa moitié de terrain. S'il avance au-delà de la moitié de terrain, c'est bon, mais là, ça devient très, très risqué. C'est le fameux gardien volant qu'on connaissait tous quand on était petit. À la garderie, voilà, on jouait exactement. Tous. Allez, on joue depuis 2 minutes 30 et déjà deux grosses occasions pour les Tiquitois qui ont bien démarré ce match. Alors, on le rappelle, les Lituaniens ne sont pas forcément une grande nation. Ils n'ont pas encore participé à la Coupe du Monde de Beach Soccer, mais ils sont 46e au niveau mondial. Ils vont participer cet été au mois de juillet aux qualifications européennes avec les 20 meilleures équipes européennes. Donc, C'est toujours intéressant d'avoir un peu des adversaires comme ça qui permettent justement de pas forcément se mettre en grosses difficultés, d'ajuster un peu tous les réglages collectifs. C'est le but de la préparation. Voilà. Et puis progressivement, on va monter en puissance avec des adversaires, j'imagine, plus intéressants. Attention avec ce ballon, peut-être pour la touche au deuxième poteau. La frappe, elle est bien contrée par Tetawila. La Baste avec Joe. Et il y a eu un petit changement côté... Il y a eu deux sorties. Il va y avoir une première faute avec... C'est quasiment à l'intérieur. Ouais. Ça sera à l'intérieur ou ça sera un coup franc juste à l'extérieur, on va le voir. Ça va faire à peu près la même chose dans tous les cas. Et c'est un coup franc, quasiment un pénalty pour... Je pense qu'il y a pénalty. Pour Bibiche, qui sur son entrée récupère le premier ballon. Et donc Olivier, on rappellera à nos spectateurs, téléspectateurs, que le joueur qui subit la faute est en général le joueur qui doit réaliser le coup franc ou le coup de pied de réparation, sauf si il est dans l'incapacité physique, trop blessé pour réaliser le coup franc. Et donc c'est bien Rawari Salem, alias Bibiche, on le connaît sous son nom un peu comme Philou, Teo Nuiteo, pour la première... Grosse occasion avec quasiment ce pénalty. Après un peu plus de 2 minutes de jeu. Et c'est l'ouverture du score pour les Tiquitois qui mènent 1-0 avec Bibiche qui inscrit ce premier but.
avec le gardien qui a laissé quand même son petit côté un peu ouvert. D'un pied ouvert sur le deuxième poteau et finalement c'est frappé fort, petit côté. Bonne réalisation de Bibiche. Allez, l'engagement. La frappe. Donc celle-ci, là, elle était signée Navixkas. Autre tactique pour un engagement. Nous, on l'a levé pour une frappe de demi-volée. Eux, ils ont simplement mis le ballon en mouvement. Donc, il faut que le ballon fasse un tour sur lui-même, comme ça pouvait être le cas avant. Mais là, il simplement. Bouge de quelques millimètres. Voilà, être en mouvement. À partir du moment où le ballon a été mis en mouvement, il est en jeu. Joe, qui a vraiment un rôle crucial au niveau tactique également, avec c'est l'homme à la baguette qui va certainement lancer la plupart de toutes les attaques des Tiquitois. Vous le voyez, là il va peut-être pouvoir tirer d'ailleurs, avec la grosse frappe, elle est déviée des deux points par le portier et le ballon part directement dans la rivière. Donc on a du monde qui est parti le chercher. Derrière ici, Auretiniao. Oui, le gardien de but et encore plus Joe dans le système de jeu qu'on a en place, c'est le vrai métronome. C'est lui qui donne le tempo. Ouais, petite faute de Bibiche sur cet excès d'engagement. Il avait fait le plus dur en essayant d'aller chipper ce ballon dans les pieds du numéro 15, Skroudalis. Orimas Skroudalis. Alors on s'excuse par avance auprès des Lituaniens qui nous écoutent pour la prononciation de quelques mots. On n'est pas experts, Michael, en prononciation de... Tu es le grand spécialiste des voyages internationaux, donc je pense que tu maîtrises bien la prononciation. On essaie de faire notre devoir, en tout cas avec le chef de délégation ici, pour pouvoir écorcher le moins possible nos athlètes lituaniens qui sont arrivés ce week-end, tranquillement, et qui sont là pour une bonne semaine. Là, le choc thermique doit être assez violent pour eux. Allez, Petroskas, Modestas Petroskas avec cette frappe qui est dangereuse parce qu'elle a rebondi quelques mètres juste devant les pieds de Joe. Joe qui va se retrouver avec le ballon au milieu de terrain. Là, il oblige à faire sortir un défenseur, ce qui va libérer le côté opposé. Et la rentrée, vous l'avez vu, du numéro 4 avec Harry Bennett qui fait ses premiers pas en compétition officielle internationale. Alors, il y a du poids sur ses épaules également. Oui, c'est jamais facile pour un joueur de sortir un peu de l'histoire familiale. Il y a le grand-père qui est là dans les tribunes. Mais ils sont juste devant nous, voilà. Justement. Et c'est clair, c'est une responsabilité. Attention avec ce petit ballon. Elle est un peu trop forte de la part de Joe. Donc le grand-père qui était un formidable footballeur. Le papa qui était un attaquant redoutable. Et un entraîneur, l'entraîneur des Tiquitois également, joueur et entraîneur. Et aujourd'hui, le fils qui a 23 ans tout juste, fait ses premiers pas en tournoi, en match international de préparation. C'est une belle histoire pour la famille. Exactement. Et on aime bien toutes ces histoires familiales. On a pu les retrouver. Ah, on a une petite main que l'arbitre n'a pas vue. Attention avec Filou qui est parti, mais c'est bien revenu avec la puissance. On a vu des joueurs lituaniens qui, physiquement, en tout cas, sont assez impressionnants. Ils font tous 1m85. C'est des beaux bébés, tout ça. Ouais. Ils ressemblent plus à des joueurs de handball que. Ouais, première volée avec cette retournée. Et attention, c'est pas terminé avec la basse qui s'est décalée sur le côté. Mais finalement, Petroskas réussit à chipper ce ballon. Action dangereuse pour le numéro 10. Oui, avec des Lituaniens qui, par moment, quand ils sont sous pression, ont tendance un peu à se débarrasser du ballon. Avec des approximations qu'on commence déjà à voir. Lifunqui avec Toloya. Joe qui va s'avancer. Oh, il peut frapper, Joe, c'est bien. Il va falloir qu'il règle la mire et c'est normal, tous ces matchs de préparation sont là pour ça. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, il est 16h40 sur Tahiti Nui Télévision. C'est un réel plaisir de vous accueillir à Auretiniao. Trois matchs nous attendent cette semaine. On est sur le premier entre Tahiti en rouge et la Lituanie en jaune. Match de préparation pour les qualifications à la Coupe du Monde. On le rappelle, ça se passera au mois de juin ici même avec les équipes Océanie. Il n'y aura qu'un seul ticket pour aller rejoindre la Coupe du Monde à Dubaï. Ça sera en fin d'année, Michael. Oui, exactement. Et là, je peux vous assurer que n'importe quel joueur qui est compétiteur a envie de voir son nom inscrit dans les listes pour une Coupe du Monde. Ah, et là, il y en a. Et puis, chez les Tiquitois, il y en a
18 ou 19 qui ont fait la préparation. Donc il y aura. C'est toujours excellent. La concurrence, c'est toujours excellent pour la performance. C'est pas un groupe fermé. Teva l'a ouvert. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là, des nouveaux également. Et c'est pour ça qu'on voit des nouvelles têtes. C'est qu'il faut mettre tout le monde, concerné par le projet. Et puis après, à chacun de sortir son épingle du jeu. Je ne connais pas exactement la philosophie de Teva, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'entraîneurs qui donnent un peu la chance à des nouveaux joueurs de s'intégrer. On l'a pu voir, si on regarde le très très haut niveau avec la France qui a intégré des jeunes joueurs pour la Coupe du Monde, des joueurs qu'on ne voyait pas forcément très souvent ou pas très médiatiques. Et bien, on parle de Colomouani, des joueurs de ce calibre-là et qui finalement c'est peut-être une philosophie qu'on peut essayer de retrouver chez nous à une échelle différente, bien entendu. Ah, c'est bien vu ce mouvement avec Mana. Il se retrouve avec le gardien et le numéro 7 Giedratis en opposition, mais c'était encore un très beau mouvement avec ce jeu en triangle. Et ça c'est une combinaison qu'on va souvent retrouver qui est assez spécifique de nos Tiki-Toa. Bien joué le ballon levé. Ouais, normalement il y a une petite faute sur l'envolée, logiquement elles sont souvent sifflées, mais c'est pareil, l'arbitrage du beach soccer, il faut en faire régulièrement et c'est vraiment difficile de pas avoir de pratique. On n'a pas de tournoi de beach soccer régulier, on a le beach soccer tour qui vient de temps en temps, mais sur toute l'année, on se prépare en année Coupe du Monde. Par contre, on le sait, quand on est en année Coupe du Monde, hein, il y a beaucoup plus de matchs. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est la régularité et la régularité des oppositions de qualité qui fera qu'on arrivera à se maintenir au haut niveau. C'est vraiment une philosophie qu'il faut qu'on adopte. Allez, on joue de un peu plus de 8 minutes maintenant. 1-0 pour les Tiki-Toa. On le rappelle, but de Bibiche et Petroskas. Attention avec ce ballon aux abords de la surface. Ça va être finalement pour Joe. Pour l'instant, on sent... au niveau du tableau du score, ça se voit pas trop, mais on sent une maîtrise quand même bien meilleure de la part de nos Tiki-Toa. Qui ont repris l'entraînement depuis le 1er janvier, depuis le mois de janvier, les entraînements dès 4h du matin, parce qu'ils ont également le championnat. Alors on était parti chercher la Bast pour aller essayer de trouver la bicyclette avec Bibiche, qui fait partie des spécialistes. Attention avec ce ballon décalé. Là, c'est Fleur qu'on a en pointe. Ouh, elle était belle. Oh, elle était belle. Oh. Attention avec ce ballon. Pas de faute de Joe, elle est bien contrée, c'est pas terminé. Il y aura un penalty, oui. Il y aura une faute de Tamatoa. Et les Lituaniens qui vont obtenir cette faute dans la surface à 2 minutes 30 de la fin de ce premier tiers-temps, Mickaël. La petite faute qui a suffi, il a bien joué le coup, notre ami Giedradis Paulus. Exactement, et puis finalement, ils me font mentir. Hein. Je disais qu'on était quand même dans une domination avec une certaine maîtrise. Mais voilà, les matchs de haut niveau avec des équipes à l'international, c'est là qu'on voit que les petites erreurs peuvent vite être payées cash. Lorsque nous, offensivement, on a eu 5-6 situations favorables, on n'a pas réussi à prendre le large. Rapidement, on peut se retrouver avec un score beaucoup plus serré. Mais je pense que d'ici la fin du match, on aura une issue positive. Giedratis et la frappe et le but. Un partout entre la Lituanie et Tahiti. Joe qui a anticipé sur son côté droit, le ballon qui lui passe sous le ventre. Pourtant, il était bien parti. On va revoir. Elle est engagement pour les Tiki-Toa. Donc là, est-ce qu'on va avoir une course, un ballon levé pour une course, ouais, sur le côté, peut-être la frappe. Oh, elle est magnifique. Oh. Et le poteau, une fois de plus. C'est le deuxième poteau. Qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était pure, cette frappe de Tavanae. Avec une très, très grosse frappe, bien équilibrée. Le gardien l'a dévié. Hein. Le gardien l'a dévié sur le poteau. Magnifique arrêt du gardien. L'arrêt est somptueux. Ouais, bel arrêt encore avec cette envolée à la Superman. Alors je sais qu'on met les buts, Olivier, mais si tu peux nous faire un plaisir pour nous les gardiens de nous sortir un petit ralenti de l'arrêt, on t'en voudrais pas. Préparer ça. On verra bien. Ah, attention ça, avec cette retournée. Oh, elle était pas passée loin. Elle était bien jaugée celle-là. Elle était un petit mètre à gauche des buts de Petroskas. Une fois de plus, ça commence un petit peu à s'enflammer dans la fin de ce tiers-temps. Il reste au moins 2 minutes. Attention, cette frappe au deuxième. Et pour le spectacle, on dirait que c'est bien. Ouais, c'est bien partout pour l'instant. Le pied gauche de Tavanae qui écarte le jeu. Là, on fixe le bloc adverse.
va attendre qu'un joueur remonte dessus. On va peut-être trouver à l'opposé. On va venir fixer ici. Joe qui va rentrer pour libérer. Voilà, ça oblige la libération du côté opposé. Alors, c'est pas parce que Joe a envie de s'amuser à jongler et tirer. C'est vraiment une option tactique avec deux ailiers qui viennent ouvrir le jeu sur les côtés. Donc, ça oblige les deux défenseurs à gérer la largeur. Et donc, si le gardien rentre axe, soit on le laisse faire et il va au but, il frappe, ou soit on vient le cadrer. Dans ce cas-là, ça va libérer un côté opposé sur lequel il va pouvoir jouer. Allez, peut-être qu'il y a eu une frappe de Enel qui était rentrée furtivement, qui est ressortie. Enel Teamoana. Bon, attention avec ce beau but. Excellent. Magnifique but, une fois de plus. Eh bien, c'est Tamatoa Tetawila qui nous gratifie d'un geste somptueux. On va prendre le temps. L'avantage 2 buts à 1 pour les Tikitoa. Tamatoa qui est en grande forme, qui marque beaucoup de buts, que ce soit en foot à 11 ou en beach soccer. Un bel athlète. Ouais, c'est clair qu'il est en train de marquer ces dernières années à tous les niveaux, un peu comme Philou. Ils ont un profil différent en termes de jeu, mais tous les deux, à la fois en foot à 11 et en beach soccer, ont réalisé une Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde juste somptueuse. Allez, il va rester 15 secondes. Peut-être s'octroyer un tir dans les dernières secondes. On va attendre. Avec 12 secondes, peut-être ce ballon pour Bibich. Encore une faute sur Bibich, qui est venu amortir de la poitrine et qui a été poussé par Plintikas, Audrius Plintikas. Donc là, intelligence dans son appel de Bibiche, qui vient décrocher et puis qui reste au contact de son défenseur pour l'obliger à faire faute, parce qu'il sait que sinon ça va monter à la poitrine et éventuellement enchaîner sur un retourné. On le sait, Fleur et Bibiche sont les spécialistes, en tout cas en attaquant de pointe, pour faire ce type de geste. Philou également. Bibiche à l'occasion du doublé, donner un petit peu plus d'avantage sur cette frappe. Oh, elle est pas terminée ici. Il est accordé. C'est Philou. Philou qui inscrit ce but qui a été relâché par le gardien. 3 buts à 1. Il avait changé de côté sur ce coup-là. Allez, on va revoir ça. Avec. Qu'il avait mais il n'avait pas la maîtrise du ballon, même s'il l'a touché. Toi qui es gardien, comment on juge là-dessus? Alors, on n'a pas fait appel à la VAR. On est mal placé. Si le gardien a les mains sur le ballon. Et s'il a une main appuyée juste sur le sable? C'est de la maîtrise. C'est de la maîtrise, donc on n'a pas le droit de taper en dessous? Non. D'accord. De là où on est, c'est assez difficile. En tout cas, les arbitres qui étaient mieux placés que nous l'ont vu et l'ont accordé. Ce qui fait 3 buts à 1 pour les Tikitoa avec ce but de Philou qui a repris suite à ce pénalty, ce coup franc très dangereux de Bibiche. Philou qui a toujours le sens du but, qui a anticipé justement ce ballon relâché et qui était présent sur le deuxième ballon. C'est ce qu'on demande justement à ces attaquants de sentir le but, d'anticiper. Et dans 5 secondes, il y aura la reprise. On n'aura que l'engagement. Ensuite, on va vous montrer vite fait les highlights, les buts, avant de faire une petite coupure du côté de la régie. Et après, ça va s'enchaîner. Attention, l'engagement pour la Lituanie, c'est contré par Philou. Ça va revenir avec le numéro 2 qui essaie de trouver. C'est la fin de ce premier. Tire-temps sur le score de 3 buts à 1. Belle prestation des Tikitoa pour l'instant. Allez, on va vous enchaîner les buts. Il y en a eu 4 dans cette première période. Vous allez les découvrir.
On revient dans quelques instants pour la suite de ce match avec les Tiki Toa, tout de suite. LA Productions Tahiti présente Kyo en concert le samedi 22 avril sur le Motu de l'Intercontinental Tahiti Resort and Spa. Plus d'infos sur la page Facebook LA Productions Tahiti. L'original. Distribué par YouTube. Gabilou fête son jubilé. Pour célébrer ses 60 ans de carrière et près de 2000 chansons enregistrées, Gabilou sera en concert sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture le jeudi 6 avril à 19h30. Gabilou sera entouré de 10 musiciens et 3 choristes, ainsi que les danseurs et danseuses de l'école de danse de Moeata. Billetterie au 89 78 69 67 ou sur la page Facebook John Gabilou. Voilà, nous sommes de retour pour ce deuxième tiers-temps et pour l'instant, Teva Zaveroni est en train de faire le point avec ses Tiki Toa qui viennent de rentrer pour cette année 2023 dans la préparation. Michael, 3 buts à 1 dans un premier tiers-temps, pour l'instant maîtrisé. Un tiers-temps maîtrisé où on a vu les Tiki Toa être capables d'alterner justement ces temps forts, ces temps faibles, de ne pas se précipiter, d'être capable d'aspirer le bloc adverse lorsqu'il était en place, créer des décalages pour trouver des solutions de tir. Allez, la Lituanie qui est pour l'instant menée. 3 buts à 1, on va voir comment vont réagir les joueurs baltes. Alors la Lituanie qui est un pays où il y a quasiment 3 millions d'habitants, Michael, hein, et qui est, on va dire, tout en haut des pays baltes, là-haut, entouré de la Russie, de la Pologne, de la Biélorussie, de l'Estonie et de la Lettonie. Voilà, donc. Tu nous donnes la capitale de la Lituanie, Olivier ? Non, mais tu vas me la dire. Je sais que tu l'as révisé avant. Wikipédia est là pour ça. Non, j'ai pas révisé. Ah, mais t'as pas révisé. Si ma mémoire est bonne, c'est Vilnius. Mais sinon, je vais me faire taper sur les doigts si c'est pas bon. Junior ? Allez, les amis, on est ensemble pour ce deuxième tiers-temps avec les Lituaniens, justement, qui sont à l'engagement. Plinitkas, le capitaine, pour son sur le côté avec cette frappe, bien captée par Joe. On est reparti pour 12 minutes d'action, on l'espère, avec le premier bloc composé de Lifunkui, Filou, Fleur et Tamatoa Tetawira. On va jouer avec Joe. On va trouver à l'opposé. Ouais, et puis ouais. Il prend son temps. On voit le calme, hein, en tout cas, du capitaine qui, tu le disais tout à l'heure, 2013, la Coupe du Monde à Tahiti. La première Coupe du Monde en 2008, me semble-t-il, hein, c'était à Ravenne. Il faut savoir que Reimana Lifunkui est le, si je regarde la liste, que je ne me trompe pas, oui, c'est le premier Tiki Toa avec Teva Zaveroni. On était ensemble sur la première équipe nationale de l'histoire en 2007. En 2006, on était en direct sur TNTV à Montréal. Et d'ailleurs, tu étais dans la présélection, il me semble. À l'entraînement. Et voilà, donc, c'était une autre époque. C'est le début de l'histoire des Tiki Toa. Exactement, 2006, ça remonte, hein, déjà les amis, dans 2-3 ans, ça fera 20 ans. Imaginez-vous que cette équipe a été emmenée par Teva Zaveroni, Reimana Lifunkui, Naya Bennett, bien sûr. Attention avec ce ballon, oh, il est parti un peu trop tard, Filou, dans son déclenchement de retournée. C'était bien joué. Première génération avec Kugogne, Teva Izal. Qui est le préparateur physique, hein, également, Teva Izal.
Attention avec ce ballon, avec cette reprise du pied gauche de Notchivkov. Et dans les buts, il y avait Piero Malfatti pour ce Piero Malfatti, exactement. Piero Malfatti et moi-même. Et puis ensuite, il y a notre ami de Paia qui a pris le relais à la place de Piero. Daniel Tapeta. Ah, Daniel Tapeta, on les embrasse tous ces anciens Tiquitois qui peut-être nous regardent. Ça va leur rappeler quelques souvenirs. Attention avec cette frappe qui passe au-dessus. Pour l'instant, quelques occasions, mais rien de cadré. Après un peu plus de 2 minutes jouées dans ce tiers-temps, on va changer de bloc avec les rentrées de Bennett. La rentrée également de Tavanae. Et puis Bibiche qui fait son entrée là-bas. Tamatoa reste encore sur le terrain. Attention avec ce ballon dans les airs. Petroskas qui va s'imposer. Ouais, bonne défense. Bennett, Avehari. Alors Avehari qui est arrivé tout à l'heure ici même et qui n'était pas encore changé, qui était en tenue de policier parce qu'il vient d'intégrer la police. Donc il est arrivé. Oh magnifique, oh, magnifique. Oh, là, et encore le gardien. Grâce. Et Bibiche, gardien, il est de qualité aujourd'hui, Petroskas. Parce que le geste était vraiment très bien réalisé. Attention, l'arbitre qui calme un petit peu les ardeurs au deuxième poteau là-bas. Puis ce gardien efficace sur son côté gauche. Premier tiers-temps, il a dévié avec un plongeon côté gauche sur son poteau. Et là encore sur son côté gauche. Ouais, tentative intéressante de Tetawira. Le ballon pour Petroskas. Il n'a pas beaucoup de solutions. On va le chercher de la tête. Bonne défense de Tetawila qui a empêché le contrôle de la poitrine. Mais de la présence. Il n'y a pas besoin de rentrer fort dedans. Juste en mettant son corps en opposition et en appuyant un peu, en mettant un peu de poids sur l'attaquant. Tavanay pour Tetawila. Qui a la pression, Tavanay encore. Attention avec ce ballon qui est pas très bien donné. Voilà, être capable justement, c'est ce qui a fait la grosse évolution et ce qui montre la maturité du jeu dans la façon de jouer de nos garçons. Ouais, c'est bien fait ça, Tavanay peut-être. Cette capacité à ralentir. À maîtriser des temps le jeu faibles, pour l'instant. Des temps faibles pour avoir de la récupération active. Parce que je vous assure. Et puis on voit le jeu au pied. Là pour l'instant, c'est bien maîtrisé hein, par les Tiquitois. Oui. Il y a encore une petite faute sur cet engagement. Elle n'est pas signalée. Attention avec ce ballon. C'est bien fait une fois de plus avec le jeu calme. Fleur, on joue là-bas pour Tavanay. Peut-être opposé. Au deuxième poteau. Il n'a pas donné, il a frappé. Pourtant, il y avait Bennett qui était tout seul au deuxième poteau. Ouais, belle intervention. Petite faute là. Ouais, il y a une faute. L'arbitre ne signale rien. Il y avait une intervention rugueuse de Lebedvas. Voilà, le voilà sur ce ballon. C'est Tawila qui va aller chercher la touche. Donc les Lituaniens qui nous proposent un beach soccer un peu plus. Un peu moins fin. Hein. Un peu plus rugueux. Rugueux et puis plus direct avec des combinaisons qui sont moins maîtrisées, moins travaillées. Alors ce qui est notable, oui, c'est la maîtrise au niveau des phases d'attaque où Joe, le gardien, justement, jongle avec ce ballon, avec ses défenseurs sur les côtés. C'est là que tout le travail à l'entraînement sur les appuis, ceux qui n'ont jamais essayé de faire une dizaine de jongles dans le sable sur des appuis mouvants. Je vous promets que c'est très très difficile de garder et surtout sous la pression quand on a le cœur qui bat à 160 après quelques efforts. C'est une motricité spécifique. Hein. Attention avec ce ballon, la frappe. Oh le poteau. Le poteau qui sauve Joe sur cette tentative. Il va refrapper. C'était les Bédévas. Ouais. C'était. Ouais. Ouais. Ah, ils ont pas eu de chance. Hein. Un jeu plus direct, un jeu. Avec toujours des premières intentions, on a moins de combinaisons.
Enel Temwana qui fait aussi son entrée oui. Et qui remplace un blessé de dernière minute, Tepa, qui fait partie du bloc numéro 1 d'habitude. Et voilà, son premier tournoi international également en France, son premier match international à Enel. On a vu avec la sélection de Tahiti face à la Calédonie. Enel qui revient de métropole, où il a passé une saison, il me semble une saison et demie, pour tenter de gagner de l'expérience en R1. Allez, la touche, elle sera pour les Tikitoa. Non, elle sera pour la Lituanique, le capitaine qui va s'avancer, Plitnikas. Attention à la combinaison. Ça va chercher au premier poteau la déviation de la tête. Le corner, les arbitres n'ont pas vu. Ouais, fair play de la part de Joe, fair play, très très fair play. Les arbitres ne l'avaient pas vu. Et c'est bien, c'est Joe des images qui a redonné. Voilà, c'est des images en match de préparation. Surtout qu'il était assez flagrant sur là, mais ils étaient mal placés sur ce ballon qui a été dévié par Filou en corner. Le corner pour les Lituaniens en deuxième poteau. Attention à cette reprise. La frappe qui passe au-dessus. La contre-attaque. Et Bibiche qui essaie de faire des courses et essaie de se démarquer. Long ballon pour Bibiche. Attention, ce ballon de la tête avec Lifunkui. Peut-être pour la frappe. Filou. Ouais, belle frappe de Filou qui a réussi à se l'amener. Elle était un peu sur le côté. Un peu sur le côté, oui. Mm. Donc ça a ouvert un peu l'angle pour le défenseur pour venir le gêner. C'est vrai qu'une fois que le ballon est monté au-dessus des hanches et qu'il est maîtrisé, le défenseur ne peut plus intervenir. Il est obligé d'attendre que le ballon soit frappé. Donc il peut se mettre en opposition, mais il ne peut pas, lui, intervenir en premier sur le ballon. En tout cas, ne pas toucher le joueur. Ni l'adversaire, ni le ballon. Donc il doit attendre que le ballon soit frappé pour le toucher. Il peut que le contrer. Que le contrer, oui. En tout cas, sur cette retournée de Filou, le sable n'a pas été avec lui. Mais on sait qu'il est très capricieux, ce sable, à chaque fois. Et ça passe vite. Hein. 3 minutes 46, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. Pour d'où l'instant, l'intérêt d'avoir ces blocs différents. Ouais, ça va assez vite. Par contre, il y a des joueurs qu'on n'a pas encore vus, comme Benoît Maton. Pour l'instant, c'est vrai que Teva essaie de mettre en place des blocs. Peut-être au troisième tiers-temps, il fera peut-être un petit peu plus tourner. Attention avec ce ballon de la basse qui essaie de remettre. C'est pas terminé avec Filou. Filou toujours, la frappe de Filou qui passe à côté. Grosse occasion encore pour les Tikitois. Il y a un gros changement du bloc. Voilà, ça se chamaille un peu parce que Filou a fait un geste qui est en général sanctionné lorsque les habits le voient. Il a jeté du sable. Il a jeté du sable sur son adversaire volontairement. Et donc ça, c'est souvent très, très rapidement sanctionné. Bon, il ne l'a pas fait méchamment, hein. Je le rassure. Vous avez vu la différence de maîtrise technique. Ouais, pour l'instant, entre les deux gardiens, la Bast qui a essayé de frapper. Et son ballon a été ralenti. La Bast toujours. Et qui se bat, la Bast. Et ça sera finalement pour Joe. Tamatoa qui demande le ballon. Ça va arriver sur Tavanae. Il y a la puissance physique du côté de Tamatoa pour résister. Le ballon est contré, ça sera pour Joe. Il va rester 2 minutes dans ce deuxième tiers-temps. Pas de but pour l'instant, mais des grosses occasions. Il y a eu des belles opportunités et également un poteau côté lituanien. C'est bien fait ça avec ce ballon pour Bennett. La frappe, elle est contrée. Bennett encore. Et là, on a la rentrée du numéro 11. On a parlé Benoît Maton. Le numéro 11 qui est près des buts pour l'instant de Petrovskas. Il va essayer également de trouver sa place et essayer de décrocher une place dans le, c'est pas le 11 mais le 12. Attention avec ce ballon de Tetawila qui est dévié. Ça va sortir en corner. Grosse frappe. On vous disait, il y a un groupe de 18-19 et il faut aller essayer d'aller chercher une des 12 places. Hein. C'est ça. Et puis la concurrence est rude, hein, donc c'est très bien. Ça tire tout le monde vers le haut, ça oblige tout le monde à surpasser, à multiplier les efforts. Il est extrêmement précis dans ce qu'il fait. Bon retour justement de Maton.
Alors, pour ce qui est des efforts, vous n'aurez pas de soucis avec Benoît Maton, qui a trois poumons. Par contre, c'est justement tous les réflexes du beach soccer, qui est un sport tellement atypique, tellement différent. Ah oui, vous savez, on a souvent eu l'occasion de voir d'excellents joueurs de notre championnat s'essayer au beach soccer. Et puis ils ont été... ouais, c'est pas pour tout le monde. Non, ouais. ils étaient parfois méconnaissables. Ouais. C'est pas pour tout le monde, c'est dur de s'adapter. C'est pour ça, tout à l'heure, je le disais, c'est vraiment une motricité spécifique. Attention avec ce long ballon, Petroskas, directement pour Tamatoa. Bennett sur le côté, est-ce qu'il a du soutien? Avec Tavanae qui est parti sur le côté gauche avec Maton. Maton qui va jouer avec Joe. On va rentrer dans les dernières secondes. Il reste une dizaine de secondes. 10 secondes à jouer dans ce tiers-temps. Il va falloir tirer. Voilà la tentative. Elle est bien repoussée par Petroskas. Et c'est terminé pour ce deuxième tiers-temps. Pas de but dans celui-là, donc on n'aura pas de highlights. On va faire un petit tour du côté de la régie. On revient dans un petit instant pour la suite et la fin de ce match entre les Tikitois et la Lituanie. Les Polynésian Battle Games sont de retour. Rendez-vous du 7 au 9 avril au stade Willy Bambridge, 3 jours non-stop. 190 athlètes, 13 catégories, 5 zones de wood, 70 staffs, des DJ, des stands et un espace restauration. Un événement riche en animation pour vous accueillir et découvrir ensemble qui sera le meilleur athlète ou la meilleure team de Polynésie. Billetterie en pré-vente chez Manasport ou Black Box Tahiti. Plus d'infos sur la page Facebook et Instagram. Original. Distribué par YouTube. Votre programme est à savourer avec Nescafé Latte. Star 2023, réveille la star qui est en toi. Un événement à retrouver exclusivement sur TNTV. Allez, vous êtes de retour ici à Oreitiniao. On a le plaisir de vous accueillir avec Tahiti Nui Télévision et la Fédération Tahitienne de football pour ce match international entre Tahiti, les Tikitois qui évoluent en rouge face à la Lituanie en jaune. Et pour l'instant, le score est de 3 buts à 1. Ces 4 buts ont été inscrits dans le premier tiers-temps. Pas de but dans ce deuxième tiers-temps. Il y a eu des actions de part et d'autre, Mickaël. Oui, avec malgré tout une domination et une maîtrise du jeu de nos Tahitiens, mais qui ne s'est pas concrétisé par des buts. Après, j'imagine que le plus important pour Teva Zaveroni, le sélectionneur ce soir, c'est en termes de contenu, qu'est-ce que son équipe va proposer au-delà du score. Allez, l'engagement avec cette frappe qui va être déviée dans finalement les pieds de Raïman Alifunkui, le fameux numéro 7 et son pied gauche. Les deux équipes qui ont changé de gardien. Allez, on a Assion qui est rentré du côté avec Philou, attention, qui essaie de reprendre ce ballon. Tamatoa, la frappe, elle est contrée également. On a, vous le disiez, Kulikauskas côté lituanien qui est rentré dans les buts. À la place de Petrauskas. Voilà. Et puis Gabriel Amau, alias Assion. Bon ballon récupéré par Labaste pour Lifunkui, qui prend pas de risque et qui joue avec son gardien. Le ballon est sorti de la surface, donc on n'a plus obligation de jouer en moins de 4 secondes. Philou. Par contre, au niveau des blocs, on n'a pas bougé. Hein. Ça reste le bloc 1, comme tout à l'heure. Il y a juste le gardien qui a changé. Attention, ballon un peu fort. Oui.
de la part de Hassion qui doit se mettre vite fait dans le jeu. Pas évident, mais les premières minutes d'un match international, quand on revient en une année Coupe du Monde, il y a de la pression. Ouais. On joue à la maison. On doit vite trouver les réglages. Là, sur ces deux premiers ballons, c'est vrai que le ballon était un peu haut. On attend de lui sur le décalage côté, une trajectoire. Ouais, bien fait ça de la part de Mana qui va donner un super ballon à la basse. Le petit ballon de la basse, le petit pointu qui n'était pas cadré. J'ai cru sentir qu'il ne savait pas trop quoi faire, frapper ou la redonner en 1-2. Ah, je pense qu'il avait l'intention de frapper, mais ensuite sur le rebond du ballon, il tombe dans surpris, un trou. Ouais. Et donc du coup, il est obligé de le prendre un peu avec l'avant du pied. Ça s'appelle le pouce. Avec les orteils. Avec les orteils. Tavanae. Il n'est pas attaqué pour l'instant, donc son gardien. Attention à Hassion qui prend quelques risques. Ou il la prend dehors. Ouais. Ouais, il n'est pas rentré dans son match pour l'instant. Hein. Il n'est pas rentré dans son match et une erreur qui va coûter cher parce que ça offre quasiment une action de but pour l'équipe de Lituanie. Et puis un carton jaune. Et pour l'instant, il n'y a que deux buts d'avance. Donc c'est rien. Et c'est le capitaine qui va s'avancer. Audrius Plintnikas. Allez, Hassion qui va devoir se rattraper. En tout cas, essayer de s'interposer. Ce qui est important, c'est qu'on puisse essayer d'avoir un peu tous les joueurs à un même niveau de performance. Peu importe le joueur qui entre ou qui sort. Alors, il faut savoir qu'ils sont trois gardiens dans l'équipe. Alors, c'est Béo qui est on va dire, la stature de numéro 2. Mais il n'est pas là aujourd'hui, hein, Béo. Attention avec cette frappe. Elle est bien tirée. Très contrôlée. Et c'est le 3 buts à 2 pour l'équipe de Lituanie qui revient avec le capitaine. Là, en termes d'enseignement, il y a quelque chose à retirer. Hein. On a beaucoup de situations favorables. On va revoir ce pénalty du numéro 4. Allez, on va accélérer la ralenti pour qu'on puisse retourner sur le jeu. Okay, voilà, anticipe c'est parti. Sur le côté gauche et puis finalement, côté fermé. Allez, on revient au jeu. 3 buts à 2. Oui, donc comme je dis... La frappe. Bonne frappe. Ouais, bien capté par Kilikoskas. Comme je disais, on a eu pas beaucoup de situations favorables, mais qu'on n'a pas réussi à concrétiser. Donc c'est vrai que sur les matchs à enjeu, ce sont des situations qu'il va falloir mettre au fond pour se donner de la sécurité dans le jeu et pas être sous pression. Attention, qui essaie de frapper directement, il n'était pas attaqué. Et un seul petit but d'écart pour l'instant entre Tahiti et la Lituanie. Allez, Bibich qui réussit à contrer ce ballon. Attention, bonne défense. Pas le laisser lever. Trop tard, c'est levé. Grosse défense, voilà. Exactement ce que disait Mickaël tout à l'heure. Une fois que le ballon est en l'air, on n'a le droit de toucher ni le ballon ni le joueur. On doit attendre que ça vienne vers soi. Donc le contrer comme l'a fait en opposant son dos. Exactement. Comme au volet un peu. Hein. On met un bloc. Et là, sauf que ce n'est pas un bloc avec les mains, c'est un bloc avec tout le corps. Kamatora, il va calmer le jeu. Il va retrouver Hassion. Et là, ça doit déclencher les courses. Voilà. Ouais, c'est bien fait ce ballon de Bennett. Et il y aura une petite poussette dans le dos qui sera signalée sur Giedratis. Et ça sera un coup franc pour le numéro 7 lituanien. Il va y avoir un changement. On va revenir avec une partie du bloc numéro 1 puisque Filou revient. Alors on a Filou. On a Finou, on a Enel qui est rentré, Enel Teamana, Bibich et Tavanae. Attention parce que c'est coup franc même à les quasiment 30 mètres avec le ça, vous le savez. Alors ils n'ont pas obligation de frapper. Hein. On peut faire une passe, on peut. C'est fortement conseillé. On peut. Il est un peu loin. Il est un peu loin. On voit quand même assez peu de buts d'aussi loin. Là, il est sur la ligne des 9 mètres hein, de la surface. Attention, la frappe. Elle est quand même intéressante. Il y avait la puissance, un petit mètre au-dessus de la barre transversale
si on fait le ratio des coups francs qui sont frappés d'aussi loin et les buts, je pense que les équipes vont trouver vite une raison de les jouer différemment. Assez bien couvert par Tavanae. Ah, pour l'instant, moins d'assurance hein, dans les buts. Grosse défense là de Enel qui joue bien son rôle, qui est repassé devant son joueur lituanien. Ah, c'est ce qu'on demande toujours à un joueur qui veut maîtriser son ballon, c'est passer ses épaules. À partir du moment où on passe les épaules, c'est qu'on a pris l'avantage sur son adversaire direct. Ah, c'est un petit peu mélanger les pinceaux là pour l'instant. Attention avec ce ballon qui est contré par Filou. Enel qui réussit à décaler sur le pied, sur son pied gauche, et bel arrêt de Kalikoskas. La frappe, elle passe à côté, il y aura un corner, elle était déviée par Assion légèrement. Légèrement, ouais, sur le rebond. Allez, on va avoir des changements avec le bloc 1 qui se reforme. Alors étonnamment, là, le banc lituanien qui demande à son gardien de calmer le jeu. Alors qu'ils ont une supériorité, qu'ils ont un avantage et un décalage. Donc ça ne semblait pas être une mauvaise opportunité de jouer la contre-attaque. Mais je pense qu'ils sont peut-être un peu dans le rouge. Allez, bonne défense du capitaine. Ah, le ballon passe aux tuiles dégagé. Ça sera une touche pour les Tikito à Tavanae. Assion. Attention, hein, tu le disais, il a seulement quelques secondes pour jouer. Tavanae, peut-être son pied gauche. Et il va frapper. Il va frapper, il n'est pas attaqué. Bonne déviation. Oh, superbe, et la barre transversale avec cette combinaison, cette déviation de Vilou pour le pied droit de Tetawila. Mais ce n'est pas récompensé, Mickaël, on n'est pas passé loin. Intelligemment joué, un ballon un peu trop haut. Pas maîtrisable, et donc Filou qui décide de jouer la déviation. Ouais, bon pressing au de deuxième Filou. Poteau avec une reprise de volée de Tamatoa. Ouais. Filou encore, il est en position Filou. Il va jouer derrière avec Fleur. Action pour Fleur, pour Lifunkui. Attention, il faut revenir en défense avec peut-être une opportunité. C'est dur d'ouvrir le, comme au foot à 11, d'ouvrir le pied comme ça, là. Très difficile ce qu'a tenté les Bédévas. Alors parfois, je trouve qu'on a un peu tendance à manquer de prise d'initiative sur le but, à vouloir jouer très collectif, peut-être parfois un peu trop collectif. Ah, t'aurais vu une frappe de Mana, par exemple. Par là, exemple, hein, ouais. Je suis plutôt d'accord. Ou derrière, c'est vrai que même si on met en place les systèmes, même si on met en place les blocs avec les courses, l'intention première doit être, malgré tout, de marquer, de frapper au but. Ouais, gros duel, attention. Parce que derrière, on se donne l'opportunité de prendre des contre-attaques. Et là, c'était le cas avec cette tentative de Skurdilis qui va obtenir le corner pour la Lituanie. Et on est dans les 5 dernières minutes de ce match. 5 dernières minutes, un petit but seulement d'avance pour les Tikitoa. Alors on voit le capitaine lituanien, la Plitnikas, qui a les mains sur les genoux. Allez, la frappe peut-être de Mana, elle est un petit peu envolée. Il a peu tourné avec les autres joueurs. Et puis je pense qu'il doit aussi un peu avoir le décalage horaire plus l'humidité à gérer. Donc il est un peu dans le rouge, le garçon. La touche. Et donc, si on sur le terrain, les gars, nos Tikitoa le voient, il y a peut-être une opportunité de mettre un peu de pression physique sur ce joueur. Attention avec cette frappe. Dans le rouge. Lifunkui. À l'opposé. Il n'a pas le temps de maîtriser complètement ce ballon. Tamatoa. Voilà, les Tikitoa qui doivent reposer. Sort, ouais. Qui sort de la surface. Allez, Tamatoa. Un peu haut. Un peu haut, attention, ça va donner une action intéressante. Ah, il a essayé de la jouer en finesse. Voilà Olivier, c'est exactement ce qu'on évoquait hein, il y a quelques secondes sur cette capacité à enchaîner, ne serait-ce que par une frappe au but. Parce que derrière, les erreurs de technique ou les injustesses au niveau des courses font qu'on se retrouve avec
des situations défavorables. Attention avec ce ballon qui traîne dans la surface, la frappe, bien captée par Assion. 3 minutes 25 encore à jouer dans ce troisième tiers-temps et cette fin de match est toujours un petit but d'avance. Il faudrait se mettre à l'abri même si ça va vite au beach soccer. Et même, je vous le rappelle, si c'est un match de préparation entre ces deux nations, le ballon pour Tavanae. Il n'a pas réussi à contrôler son ballon de bonne manière pour l'instant. Il va réussir à revenir derrière. Allez, 3 minutes, il faut jouer. Même si c'est un match amical. Allez, faut frapper là. Il faut gagner. Il faut avoir ça dans l'ADN. La frappe du gauche. Et elle est déviée de la tête. Et le premier but de Benoît Maton. En match international. Benoît Maton qui permet au Tiquitois de mener 4 buts à 2. On va revoir ce petit ballon avec cette passe de Bennett pour Tavanae. Tavanae qui va frapper. Le ballon va être dévié. Et de la tête, ce petit ballon est poussé au fond des filets par Maton. Oublié par la défense, hein, je pense qu'ils n'ont pas pris l'info. Allez, l'engagement pour l'équipe. Elle était touchée. L'engagement pour l'équipe de Lituanie qui revient à moins de 3 minutes de la fin. 2 buts d'avance, on souffle un petit peu plus, mais c'était chaud. Novitschkas pour ce corner qui va jouer au deuxième poteau. C'est un peu loin et c'est un peu fort. Et Gindratis n'a pas pu contrôler ce ballon. Assion. Donc Olivier, il te restera encore 2 matchs pour affiner ta maîtrise du lituanien. Alors attention avec ce petit ballon pour Maton. Maton qui va se mettre en position. La frappe avec cette retournée. Qu'est-ce qu'il est grand ce numéro 11. Ouais, il est assez costaud. Oui. Novitschkov. On va avoir un coup franc. Et on va attaquer les 2 dernières minutes, Mickaël, de ce premier match. On en aura 3 parce que c'est vrai que c'est un petit goût de trop peu. Hein, une petite heure de beach soccer international, le retour de ces Tiquitois en 2023 pour la préparation à la Coupe du Monde. En tout cas, au qualif pour la Coupe du Monde dans un premier temps. On n'y est pas encore. Oui, il faut pas. Il y a du chemin, il y a encore du chemin. Et toutes les autres équipes océaniennes, je vous le dis, se sont préparées. Angelo Cirinzi, l'entraîneur international qui aujourd'hui est formateur pour la FIFA, entraîneur de la Suisse, qu'on connaît très bien, qui avait entraîné l'équipe en 2013. Et il a tourné dans toute l'Océanie, Salomon, à Fidji, en Calédonie. Et ça se prépare dur. Attention avec cette frappe. Touché. Elle est déviée. Ça sera un corner par Gabriel Amo. Le corner sera joué à l'opposé. Il reste 90 secondes. 2 petits buts d'avance. Allez, attention, la contre-attaque avec Bibiche. Bibiche encore, Bibiche toujours. Il va jouer sur la gauche avec Tavanae. Bonne sortie du gardien. Et là, une contre-attaque également jouée. C'est pas terminé avec le numéro 9 qui essaie de dribbler aux abords de la surface. Il y aura une main qui sera finalement signalée. Ouais, il y aura une petite main. Et là, tout le monde peut la jouer. On est à la dernière minute. Ça va donner une grosse occasion. Grosse occasion. Contrairement à une faute subie sur un joueur, une main, c'est n'importe quel joueur de l'équipe qui peut la frapper. Donc là, ce sera le numéro 9. Je te laisse prononcer son nom de famille. Non, c'est tout simple. C'est Makoudou Novitius. C'est de mieux en mieux, monsieur Huc. Des années de pratique en lituanien, mon cher Mickaël. Moi, je pense qu'au bout de 3 jours, avec nos amis lituaniens, vendredi, on devrait être fluent. Voilà. En tout cas, notre ami de son prénom, Mantas, va avoir une grosse occasion parce qu'il peut remettre son équipe à un petit but sur cette occasion. Il restera, moins d'une minute. Donc, il y a de l'enjeu pour Makoutou Novitius. Important, ce tir. Avec cette frappe.
Elle est arrêtée par Assion. La reprise bien. En deux temps. Superbe de la part d'Assion. Lifunkui, Tamato à la frappe et le but. Le Tikito à 5 buts à 2. Voilà comment un match et l'expérience avec cet arrêt en deux temps. Et regardez ça, Lifunkui, superbe ballon dévié, la frappe du gauche, il frappe du droit, du gauche, de tous les côtés, Tamatoa. Et il inscrit un doublé qui permet au Tikitoa de mener 5 buts à 2 dans cette dernière minute. Hein. Ça aurait pu faire 4-3 et ça fait 5-2. Exactement, ils ont quasiment un penalty. Double arrêt de Assion qui relance rapidement. On a une supériorité et puis magnifique geste technique de Tamatoa, de Tawira. Alors en tout cas, Assion a sorti l'arrêt qu'il fallait pour son tiers-temps, pour convaincre et rassurer. Exactement, c'était important aussi pour lui hein, de se rassurer un peu, de rassurer les copains. Bibiche, avec cette déviation, elle est intéressante sur Lifunkui. Il reste 30 secondes. La frappe est déviée par le Rock Tamatoa. Et il reste 25 secondes. J'ai l'habitude de l'appeler Petit Tam, mais je crois que je vais devoir changer. Là, hein. Tu vas devoir changer parce que là, attention. Le ballon pour Lifunkui. Ah, il n'a pas réussi à contrôler ce ballon qui a rebondi juste avant de lui arriver dans les pieds. La déviation de la tête. Et on arrive dans les 5 dernières secondes. C'est la fin de ce match. Peut-être une dernière action avec Lifunkui. Non, c'en est terminé. Voilà, les Tikitoa s'imposent 5 buts à 2 dans ce premier match international, match de préparation. Michael, merci en tout cas de nous avoir accompagnés. Nous, dans quelques instants, je vais descendre pour voir les réactions des équipes. On va revoir quelques buts, bien sûr. On va les voir ensemble et tout, Michael. On te souhaite bon courage pour la suite dans les buts de ton équipe, bien sûr. Merci Olivier. Bonne soirée à tout le monde. Et profitez bien de cette semaine avec les deux prochains matchs encore de préparation. Allez, on va voir ensemble les buts avec, vous allez le voir, Bibiche qui va ouvrir le score pour les Tikitoa. 1-0. L'égalisation sur corner, elle est signée Guy Driscas pour la Lituanie. Tam va marquer son premier but à 40 secondes de la fin de ce premier tiers-temps avec cette superbe retournée. Et puis dans les ultimes secondes, c'est Filou sur cette reprise avec ce ballon un peu relâché par Petroskas. Filou qui va offrir le 3-1. Dans le deuxième tiers-temps, il n'y aura pas de but. Il y aura 3 buts dans le dernier tiers-temps avec un pénalty de Plintikas qui va permettre à la Lituanie de revenir à 3-2. Et là, on commence à se dire les Lituaniens reviennent. Mais Maton sur cette frappe de Tavanei, vous allez le voir, qui va être légèrement dévié. Le numéro 8 qui se porte sur son pied gauche va frapper et le ballon va être dévié par Maton. Ça fait 4-2. Et enfin, on aura ce superbe but de Tamatoa Tetawira. Tamatoa Tetawira qui clôture ce match avec un score de 5-2. Voilà, je vais m'équiper quelques instants et puis on va les récupérer, bien sûr, dans un petit instant, les interviews des Tikitoa. Voilà, on est ensemble les amis, on va aller chercher dans un petit instant nos Tikitoa. On est toujours en direct sur Tahiti Nui Télévision pour cette superbe journée de beach soccer puisque les Tikitoa se sont imposés 5-2 face à cette valeureuse équipe de la Lituanie qui nous auront fait un beau spectacle. On a eu pour l'instant vraiment une belle proposition. Allez, on va aller rejoindre sur le terrain tous les joueurs dans un petit instant. Et puis bien sûr, récupérer les interviews du coach Teva Zaveroni, voir ce qu'il a pensé de cette première confrontation. Les Tikitoa qui sont à la récupération pour le moment. Voilà, on se dirige vers le coach, hein, puisque... on est en direct, priorité au direct bien sûr avec Teva qui va nous rejoindre dans un petit instant. Teva, le coach est là. Alors
Teva, un match, c'est toujours difficile après quasiment deux ans sans Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. On est en année Coupe du Monde. Là, c'était l'occasion de remettre les pieds dans le sable. Ouais, carrément. On avait hâte de rejouer. Hein. Et deux ans pratiquement sans jouer un seul match international. Et c'est dur la reprise. Mais les garçons n'ont pas été au top niveau, mais la victoire est là, donc on peut se satisfaire du résultat. Mais on a encore beaucoup de choses à travailler. Hein. Et en intégrant les jeunes, c'est pas évident. Mais il faut s'adapter, il faut continuer à travailler. On a vu quand même des belles choses ce soir. Oui, c'est vrai, mais on n'a pas su emballer. On est rentré dans le rythme de la Lituanie, dans leur jeu. Et ben, il sert à ça, les matchs de préparation. Il faut emmagasiner cette expérience et toujours faire mieux la prochaine fois. On verra déjà mercredi la prochaine fois, mercredi et vendredi. Voilà, c'est ça, mercredi et vendredi. Vendredi. Merci en tout cas, coach. Merci, Teva. On va se rapprocher, bien sûr, des joueurs dans un petit instant, puisque c'était l'occasion de rentrer dans la compétition et certains n'ont pas pu être là. On va s'intéresser, on va poser une petite question au coach Raymana qui est avec nous. Mana, un petit mot sur ce match. Vous êtes en récupération, mais c'est difficile toujours de rentrer dans la compétition après quasiment un an et demi sans compète. Oui, c'est sûr que c'était difficile aujourd'hui, comme tu l'as dit, de rentrer dans la compétition. Ça faisait plus d'un an et demi maintenant qu'on a pu jouer ensemble. Donc et en plus de ça, on a renouvelé un petit peu l'équipe, comme tu as pu le remarquer. Donc, voilà, peut-être il y a une petite appréhension aussi au niveau des joueurs pour cette première entame de match. Et après aussi en face, il y avait quand même une belle équipe de Lituanie qui était très, très costaud, très physique. Mais après c'était compliqué, c'est vrai que c'était compliqué parce que la plupart d'entre nous on n'est pas tous arrivés en même temps, on était au travail, c'est assez compliqué, mais ça n'excuse pas tout. Mais au moins on finit ce premier match avec une victoire et c'est l'essentiel pour nous de gagner aujourd'hui face à notre public et à notre Finnois. Merci Mernier, merci Mana, merci capitaine pour ce petit mot. Alors vous voyez, il y a des joueurs qui sont là, qui étaient blessés. L'un des plus bavards, il est avec nous, Béo, mais on ne va pas l'embêter aujourd'hui. On a Pam, bien sûr, on a Tepa qui est là-bas également, joueur qui était blessé. On va aller chercher un dernier mot peut-être avec Joe. Joe Keeper, l'un des gardiens phares qui a également une grosse expérience. Joe, un petit mot, ça fait du bien de refouler le sable en préparation dans quelques semaines maintenant des qualifs pour la Coupe du Monde. Oui, ça fait du bien de pouvoir jouer ce genre de match, surtout à domicile. Après, on est en pleine préparation pour les éliminatoires en juin. Donc on essaie de mettre en place ce qu'on fait à l'entraînement. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là. Maintenant, on se projette pour mercredi pour pouvoir encore mieux produire notre jeu. Merci beaucoup, Joe, pour ces quelques mots. Voilà les amis, on va en terminer pour cette retransmission. Je vous rappelle que on aura d'autres matchs. Hein. Les autres matchs seront pour nous ce mercredi et ce vendredi. Coup d'envoi ici même à Aorei Tiniao à partir de 16h30 le coup d'envoi. On prendra l'antenne 5 minutes avant, aux alentours de 16h25. On sera avec toutes les équipes de TNTV, de Go Media, que je remercie bien sûr avec James et toute son équipe qui nous ont accompagnés pour ce live télé, web et Facebook. On remercie bien évidemment la Fédération Tahitienne de football pour toute la préparation et ce match international face à la Lituanie. Voilà, on en a terminé. Nos tiquitos sont juste derrière nous en train de récupérer et puis on les retrouvera dans deux jours pour ce deuxième match entre Tahiti et la Lituanie. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur le site et l'application mobile TNTV. T-
Tahiti Phone vous invite à jouer au jeu Phone et tenter de remporter le tout dernier smartphone de Samsung. Le